C'est parce que tu as permis à ce que nous puissions être présents. Nous prions à l'avenir que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous te confions ce moment. Viens et prends le contrôle. Nous te confions nos voitures, nos cars. Que tes anges nous accompagnent, que tes anges soient nos chauffeurs. Nous prions avec une aide qu'une fois baptisé, que toi-même tu descendes pour les baptiser, que toi-même tu sois présent dans la vie. Nous prions que tu nous accompagnes tout le ciel, que toute attaque qui nous soit lancée soit retenue à l'envoyé. Nous prions, Esprit de Dieu, que toi tu parles à nos places, que tu diriges toutes nos actions. Nous prions que tu sois présent en toutes choses, dirige au moment par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais baptiser, bon, ne sois pas discret, sois d'esprit. Parce que c'est pour vous. Priez vraiment, hein. Soyez vraiment concentré. Et soyez vraiment, soyez un esprit parce que c'est pour vous. Je ne vais pas laisser que personne ne le fatigue et ne le dérange. Si aussi tu sais que tu as quelqu'un à qui tu ne parles pas depuis des années, il faut le pardonner. Même si tu ne l'as pas appelé, tu l'as baptisé. Insiste pour ça. Oh, quelqu'un, tu vas là, il faut libérer la personne de ton cœur. Il ne doit pas être comme un obstacle pour ta bénédiction. Souvent, on peut venir dans le cœur, les gens, mais ils n'ont rien. Ils ne sont pas équipés pour nos vies, mais on peut dans le cœur. Essayez vraiment de libérer tous ces gens dans le cœur. Amen. Amen. J'espère qu'on s'est compris. Bonjour, maman. Bonjour, à Tito. Ok. Aujourd'hui, quel est l'événement qui. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le baptême hein, de 6 personnes dans l'église. Voilà, je pense que c'est un baptême assez spécial parce que les 6 personnes aussi sont spéciales. Voilà. Okay. Même si elle est coco parmi eux. Ok, et c'est où nous allons exactement? Nous allons après le stade de BMP, c'est à Niamey. Dans un petit village où on a une petite rivière. Voilà, je pense que cette eau nous permettra de faire la cérémonie à proprement parler, comme dans la Bible. Voilà, les baptisés seront en train de suivre les pas de Jésus et nous, on part juste les accompagner et auront toute la gloire à Dieu. Ok, merci à vous. Et puis ça fait quoi? Toi tu veux, elle fait quoi? Ma fille! Viens ici. Mais bon, tout le monde. La personne qui veut me défier la tête. Oriane! Moi je veux voir. Oriane! Let people come and see the video. Les baptisés, venez d'abord. Papa, il fait Youssef. Papa, il est devant. Papa, il est devant. T'es là. Non, on est les baptisés d'abord. Non, on est les baptisés d'abord. Venez les baptisés d'abord. Thank you.
aller là. Mais quand même, tu vas me faire un test. Ah, ils ont raison, comment on dit quoi? Dieu n'est pas, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, Galilée. Abandonnez. Donne ça à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as fait pour mon don? Mon frère, tu vas m'aider un peu. Amen. Nous sommes là pour accomplir encore une, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tenez de tes recommandations. Et que le Saint-Esprit soit au rendez-vous afin de coordonner, de diriger toutes choses et que tout programme satanique, tout ce qui a été élaboré, tout ce qui a été planifié, arrêté par le deuxième ciel, par Satan, c'est de moi. Ce matin soit avorté au nom de Jésus. Et que, Seigneur, ce moment, cette cérémonie de baptême se déroule selon ton plan, selon ta volonté. Et que l'Esprit Saint soit au rendez-vous afin de coordonner toutes choses au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons lire le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. La parole de Dieu déclare, puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, « Allez dans le monde entier. » Proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Amen. À travers ce verset, ce passage, proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de parler de Jésus, de témoigner de Jésus, de dire des bienfaits de Jésus, de dire de la bonté de Jésus, de dire de la puissance de Jésus. Alléluia. Amen. Et il dit que ceux qui auront cru, c'est-à-dire en proclamant, en déclarant les bienfaits, la bonté, la puissance de Jésus, des personnes vont croire en cela. Et cela, la deuxième commission, la deuxième recommandation, c'est de les baptiser. Le baptême fait partie de la vie chrétienne. Tout croyant est appelé à se faire baptiser parce que c'est une recommandation de notre Seigneur. C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est le fait de passer par les eaux. Passer par les eaux, c'est quoi? C'est d'être plongé dans l'eau, c'est-à-dire émerger et puis sortir, retirer la personne. Quand on plonge, cela symbolise, cela signifie que nous sommes morts avec Christ. Comme Christ est mort et il a été enterré. Donc, une fois mort avec Christ, tout ce qui était là, tout ce qui est en nous, comme mauvais caractère, comme mauvais, je sais comment on appelle l'homme, mauvais comportement, tout ce qui est mauvais reste. Et ce qui sort, quand on sort de l'eau, c'est une nouvelle personne. Cette nouvelle personne doit témoigner de Christ. Cette nouvelle personne doit refléter Christ. Cette nouvelle personne soit, comment on appelle, doit manifester Christ. C'est-à-dire que par ton comportement, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un « Jésus t'aime ». Mais la personne te voit doit savoir que ça, c'est un enfant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Le baptême, ce n'est pas venu se baptiser et puis après aller s'asseoir. Non. Bon, je suis baptisé, c'est fini. Je suis baptisé, c'est l'essentiel. La Bible dit que si je crois que je suis baptisé, je suis sauvé. Non, ce n'est pas la peine que je vais à l'église. Là, c'est faux. Au contraire, c'est là que tu dois démontrer combien de fois tu aimes Christ. C'est là maintenant que vous devez vous impliquer, vous devez vous investir dans le ministère auprès de son serviteur. Parce que Dieu n'envoie pas ses enfants dans les lieux de prière au hasard. Non. Si Dieu a permis que tu sois avec le prophète, c'est parce que là, auprès du prophète, le Seigneur a besoin de toi, l'Esprit de Dieu a besoin de toi pour accomplir une mission. Alléluia. Alors tu dois te laisser guider par l'Esprit de Dieu.
ce matin, ce que nous allons faire est un moment très, très, très important, un moment capital dans la vie chrétienne, dans la foi du croyant. Ce n'est pas parce que si aujourd'hui tu es converti, qu'on ne t'a pas baptisé, tu ne seras pas sauvé. Si tu as cru, tu seras baptisé. Tu dois. Si tu as cru, tu seras sauvé si tu meurs aujourd'hui. Mais si tu ne meurs pas aujourd'hui, allez, il faut te faire baptiser. Quand l'homme de Dieu a croisé l'eunuque éthiopien, il a, lui a prêché l'évangile. Sur le champ, quand il a accepté, en même temps, il a plongé dans l'eau. Aujourd'hui, c'est à cause de certaines choses que les pasteurs sont obligés de mettre du temps pour voir réellement si l'engagement que le bien-aimé veut prendre est sincère. Amen. Donc, je ose croire que tous ceux qui sont passés par l'eau aujourd'hui, vous avez bien réfléchi. Chacun a bien mûri, bien réfléchi. Et vraiment savoir réellement en quoi il s'engage. À partir d'ici là, quand tu vas sortir, c'est fini. Tu es devenu une personne nouvelle. Il faudrait que tu montres ce qui est bon. Que ce soit à la maison, que ce soit au dehors, que ce soit au travail. Partout, tu dois montrer que Christ est bon. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, merci. Nous allons passer aux eaux des baptêmes. Cet esprit, nous te recommandons ce moment. Tu dis toujours, fais appel aux anges. Afin que les anges viennent pour vraiment bénir, coordonner tout. Nous aider dans la cérémonie. Que la gloire revienne au Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chantez. Jésus. C'est un mot à l'inclémence. Moi, tu que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Deuxième personne ici. La sœur, mettez une campagne quelque part, elle est là. Elle va se changer. We give you all. We give you all. Mon plaisir. Elle est de la Vierge Marie. Qu'il est venu sur la terre, qu'il a servi Dieu selon la parole, qu'il a été crucifié à la croix de Golgotha, qu'il est mort, qu'il a été enterré. Est-ce que tu crois cela? Est-ce qu'il est ressuscité le troisième jour? Qu'il est monté au ciel, qu'il reviendra chercher ses enfants? Alors si tu crois cela, sur ses paroles, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Marie, qu'il est venu servir le Seigneur selon la parole de Dieu, qu'il est mort à la croix de Golgotha, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il reviendra chercher les vivants. Au nom de Jésus, nous te baptisons. Il est ressuscité le troisième jour et qu'il est monté au ciel. Il reviendra pour chercher les vivants. Au nom de Jésus, nous te baptisons. Mohamed Elie Didier, crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu? Il est né de la Vierge Marie. Il a servi Dieu sur terre, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il reviendra chercher ses enfants. Nous te baptisons, mon nom. Au nom de Jésus, il sortira de là. Sa chemise est Étienne. Aide-moi au Seigneur.
En Dieu le Père, je crois. Je crois. Dieu le Fils, je crois. Le Saint-Esprit, je crois. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois. Qu'il est né de la Vierge Marie, je crois. Qu'il est mort à la croix, je crois. Il est ressuscité le troisième jour, je crois. Il est monté au ciel, je crois. Il viendra chercher les vivants, je crois. Moi, je te passe tes paroles au nom de sous ta protection, sous les regards, sous la direction du Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom parce que tu es vivant. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. On commence maintenant à se révéler. Ce qui a été caché maintenant, c'est le nom de Jésus. Le ciel. Le ciel sous ce jour. Je m'accroche à lui. Au nom de Jésus. Rana puissance du Saint-Esprit. D'être avec une option spéciale sur vous. Sa fidélité, tu verras toujours sa fidélité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu me dit, c'est maintenant ça commence. Ce qui était caché, ma brado chakara. Les ciels, écoute-moi. Les choses sont plus grandes dans ta vie. Maintenant, Dieu, maintenant, ouvre tes yeux et ta bouche pour parler. Take it! Au nom de Jésus. Puissance du Saint-Esprit. L'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Même votre vie de prière va changer. Amen. Dieu me montre dans vos mains, il y a des gens qui ont le don de guérison. Amen. Et vous allez voir, à partir de ce soir, ce sera comme le fait partout où vous irez. Ne maudis pas les gens parce que ça sera le fait. Et si vous gardez le même esprit que vous avez, vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Parce que je vois parmi vous, je vois les servants de Dieu. C'est un nouveau départ. Alléluia. Ah, marrant. Maintenant, je vais vous parler. Vous savez pourquoi vous êtes baptisé? C'est parce que c'est à vous maintenant de remplir le ministère. Ça produira beaucoup de choses dans vos vies. Père, je prie en ce jour. Dieu me parle de Joseph. Il était le dernier. Il n'a pas eu la même mère. Mais c'est lui qui a sauvé sa famille. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Tu prêcheras l'évangile et tout le temps il sera étonné. Oh my God. Dieu mettra à toi la sagesse. Tu as prêché beaucoup sur la sagesse. Oh my God. Parce que vous avez à chercher Dieu pendant ces trois jours. Voilà ce que Dieu fait. Allez, maintenant commencez à recevoir. Allez, recevez. Allez, recevez cette gloire. Allez, cette puissance, regarde comment ça t'a monté. Regarde comment ça t'a monté. Parce que vous avez pris trois jours pour chercher Dieu. Mais là, Dieu a en train de couper les chaînes. Mathias, Dieu me montre les chaînes qui étaient à tes pieds. C'est en train de couper. Et Dieu me montre, Dieu me montre encore une nouvelle dimension. Et là, mais écoute-moi, je vois, oh my God. Je suis en train de servir Dieu dans l'église, mais je vois la dérager en train de poser les mains sur les malades. Et les gens. Mais là, regarde. Take it! Yeah, man.
Marie était là, elle a fait une Jésus. Marie a servi, elle a fait Jésus dans sa vie. C'est elle qui m'a montré clair. Reçois. L'onction. L'onction du troisième jour. Et donc on est arrivé à la résurrection. Voici à my God. My God, my God, my God, my God. Allez, reçois. Take it! Pèse ta tête. Ils vont plus te reconnaître. Ils vont dire qu'est-ce qui se passe? Rabashabrado Sharadas. Ils vont plus te reconnaître. C'est comme le feu. 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 Rabashabra Katarabashidus. Rinda Brakatarabayadus. Arabasaka Brukatarabas. Robabasagada. Marakatamadus. Mirika Yagada. Mareta Sumamaka Duku. Yabrakatada Sebo. Rimirakayada Satusu. Reka Makamuku Ayada. Ereka Yoroboshi. Aïe. Daniel là. Ah, Dieu ouvre tes yeux dans les visions. Tu feras les affaires, et tu vas servir Dieu. Regarde, je ne sais pas, mais je te vois dans une famille catholique. Mais Dieu d'appui, dans les nerfs pour t'élever. Je te vois comme la lumière des familles. Où tu vas regarder vers toi. Abrakata, mon nom de Jésus. Yarakama Satus. Rukama Brakayada Sataru Domis. The power in the name of the Saint-Esprit. Remplis cet homme. Remplis, allez, reçois. Allez, reçois. Baptême de feu. Baptême de feu. Baptême de feu. Père, merci. Père, merci. C'était des questions. Le Seigneur, ça monte. Et 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 ça monte. Marada Shabu Kayada. Au nom de Jésus-Christ, il reçoit le feu. Le feu. Le feu. Il ne sera plus votre serviteur. À partir de ce soir, il est mort et c'est en Christ. Sa vie est transformée. Commencez à élever le nom du Seigneur. Vous tous.
commencé à élever le Saint-Esprit. J'ai dit, vous tous qui êtes là, commencez à élever le Saint-Esprit. Lève les sept fois. Bonsoir, cette fois. Maintenant même, tout ce qui est pas à Dieu, mais à mère. Brakayuru, Saint-Esprit, merci. Rakatadada, Sandusu. Rumikaba, Cheke, Yadada. Maraka Makutu, Ibra Kadi, qui tombe pour ma bien. Rabaché Kabraya, Dadada. Oh, Rababa, fais-le tomber bien, viens à l'eau, viens à l'eau. Ah, Rabaché, les bébés. Ah. Dans sa poche là. Perfection. Je déclare maintenant, puis au nom de Jésus. Mm-hmm. Plus jamais tu seras comme avant. Mm-hmm. Par la puissance du Saint-Esprit, mm-hmm, tu reçois maintenant une nouvelle vie. Allez, reçois ça. Mm-hmm. Au nom de Jésus-Christ. 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 Mm-hmm. Par la puissance du Saint-Esprit, tu reçois maintenant une nouvelle vie. Et tout le monde est déchiré. La manière, l'eau coule et ne revient plus. C'est comme ça aussi que tes problèmes s'en vont et ne reviendront plus jamais dans le Jésus. Les esprits qui t'ont fatigué depuis les années n'auront plus l'accès à ta vie. Je déclare maintenant que tous ceux qui t'ont maudit, s'ils ne boivent pas de l'eau, que cela marche. Mais s'ils boivent de l'eau, cela ne marchera pas. Je déclare que s'ils ne mangent pas la nourriture qui est sur la terre, qui on fait avec de l'eau, que les plats marchent. Mais si il boit l'eau, il mange la nourriture qui fait dans l'eau, les plats échouent. Amen. Amen. Que l'ange de l'éternel te fasse. Amen. On a donné une serviette à quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il y a pris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you.
Nous sommes de retour. Ça a été, Dieu nous a fait grâce d'être là. Nous vous disons toujours merci Seigneur Jésus. Parce que ça a permis que ça soit ainsi. La suite c'est demain à 15h. Venez et se mettez la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et l'impartation des dons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.